Cette vidéo présente les éléments de base vous permettant de créer des formulaires simples sur vos pages HTML. Le premier élément indispensable pour le bon fonctionnement d'un formulaire est l'élément forme. Attention, par défaut, cet élément n'apporte rien graphiquement sur vos pages HTML. Vous pourrez néanmoins lui donner une apparence sur la page HTML au moyen des attributs CSS. Il sert avant tout à regrouper tous les éléments composant votre formulaire. Les éléments qui constituent votre formulaire seront donc mis entre la balise ouvrante et la balise fermante de l'élément forme. C'est au moyen de cet élément que vous indiquerez comment seront envoyées les données du formulaire vers le serveur, et surtout vers quel script elles seront envoyées pour être traitées. Pour cela, l'élément forme a besoin de deux attributs nécessaires au bon fonctionnement du formulaire. L'attribut méthode, qui détermine la manière dont les données seront envoyées vers le serveur. Méthode peut prendre deux valeurs, soit get, qui correspond à la méthode GET du protocole HTTP. Dans ce cas, les données du formulaire sont directement ajoutées à l'URL utilisée pour appeler le script qui va traiter les données. Attention, avec cette méthode, vous êtes limité sur la taille et le format des données à envoyer. En effet, la taille d'une URL est limitée par le serveur. La taille maximum à ne pas dépasser est d'environ 2000 caractères. D'autre part, les données ne peuvent être que des codes ASCII. Généralement, il est recommandé d'utiliser la méthode GET que pour l'envoi des données d'un formulaire lorsque celui-ci n'a pas pour but de modifier les données côté serveur. La seconde valeur à privilégier est POST. Celle-ci correspond à la méthode POST du protocole HTTP. Les données du formulaire sont incluses dans le corps de la requête envoyée vers le serveur. Il est ainsi possible d'envoyer des données plus volumineuses et dans des formats autres que l'ASCII. Le second attribut est ACTION. Il permet de déterminer l'URI du script à appeler au moment de l'envoi des données. C'est ce script qui va récupérer et traiter les données recueillies dans le formulaire. Ce script peut être écrit dans différents langages. Le plus connu et le plus utilisé est le langage PHP. Cependant, Python et Java sont aussi des langages qui peuvent être utilisés pour effectuer le traitement sur les données. Nous ne parlerons pas de ces langages dans cette vidéo. Nous nous concentrerons sur la construction du formulaire côté client et non sur l'analyse des données côté serveur. Enfin, voici un exemple d'utilisation de l'élément forme. Celui-ci indique le début d'un formulaire. L'attribut méthode nous indique que les données seront envoyées au moyen de la méthode POST et l'attribut action nous indique que les données du formulaire seront envoyées au script formulaire.php. L'élément input est l'élément le plus utilisé pour réaliser des formulaires. Il permet de définir la majorité des composants qui constituent généralement un formulaire. C'est à partir de l'élément input que l'on va pouvoir créer un champ de saisie simple pour saisir du texte, un mot de passe, mais aussi des nombres, des dates ou encore choisir des fichiers. L'élément input sert également à construire les cases à cocher. Enfin, il est également utilisé pour créer les différents boutons utilisés sur des formulaires. L'élément input est un élément vide, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une balise ouvrante. Il n'a pas de balise fermante et par conséquent n'a pas non plus de contenu. Deux attributs de l'élément input sont indispensables pour son bon fonctionnement. D'une part, l'attribut type, qui permet de spécifier quel type de composant nous souhaitons créer. Nous verrons les principaux types utilisables dans la suite de cette vidéo. D'autre part, l'attribut name. Cet attribut permet d'associer un nom à chaque champ du formulaire. Au moment de l'envoi du formulaire, ce nom sera envoyé avec la valeur du champ. C'est ce qui permettra au script de récupérer la valeur de chaque champ. L'élément input sert, entre autres, à créer des champs de saisie. Pour cela, l'attribut type doit prendre la valeur texte. Il s'agit ici des champs de saisie sur une seule ligne. Nous verrons plus tard dans la vidéo comment faire des champs de saisie sur plusieurs lignes. Certains attributs sont utiles pour la création d'un champ de saisie, mais pas obligatoires. L'attribut value permet de donner une valeur par défaut au champ de saisie. Si l'utilisateur ne la modifie pas, c'est cette valeur qui sera envoyée au moment de l'envoi du formulaire. L'attribut maxLength permet de limiter le nombre de caractères que peut saisir l'utilisateur dans le champ de saisie. Enfin, l'attribut placeholder permet de donner une indication sur ce qui est attendu dans ce champ. Cette indication apparaîtra dans le champ de saisie en grisé. L'indication disparaîtra dès que l'utilisateur commencera à saisir une information dans le champ de saisie. Voici un exemple de création d'un champ de saisie qui donnera le résultat suivant. Nous utilisons un élément input avec la valeur texte pour l'attribut type afin d'avoir un champ de saisie. L'attribut name a la valeur identifiant. Ainsi, à l'envoi du formulaire, la requête contiendra identifiant égal suivi de la valeur du champ de saisie. Enfin, nous avons utilisé placeholder afin de donner une instruction à l'utilisateur. Vous pouvez remarquer que celle-ci apparaît en grisé dans le champ de saisie. Enfin, nous avons également limité à 10 le nombre de caractères que peut saisir l'utilisateur en donnant la valeur 10 à l'attribut maxLength. Il est également possible de créer des champs de saisie pour des données spécifiques. Cela se fait également au moyen de l'élément input.
C'est l'attribut type qui va définir le type de champ de saisie que l'on va utiliser. Par exemple, si l'attribut type vaut password, le champ de saisie sera alors utilisé pour la saisie des mots de passe. Dans ce cas, le champ de saisie n'affichera pas les caractères entrés par l'utilisateur, mais les remplacera par un caractère unique. En revanche, la chaîne de caractères saisie par l'utilisateur sera bien envoyée au serveur au moment de l'envoi du formulaire. De même, il est possible de spécifier qu'un champ de saisie doit recueillir un type de données bien spécifique, telle qu'une adresse mail, un numéro de téléphone ou encore une URL. L'attribut type prend une de ces valeurs pour déclarer au navigateur que ce champ de saisie doit servir à recueillir ce type de données. Selon les navigateurs, les données saisies seront alors contrôlées pour vérifier qu'elles correspondent bien au format souhaité. Nous avons par exemple ici le cas d'un champ de saisie pour une adresse mail. L'utilisateur a entré une chaîne de caractères qui ne répond pas au format d'une adresse mail. Le navigateur lui affiche alors un message l'avertissant de sa mauvaise saisie. Le fait d'utiliser les champs de saisie appropriés pour chaque type de données permet également au smartphone ou aux tablettes de proposer des claviers logiciels qui répondent aux besoins de la saisie à effectuer. Par exemple, pour la saisie d'un numéro de téléphone, le clavier logiciel sera simplement composé des différents chiffres plutôt que de l'ensemble des caractères. L'élément input permet également de gérer la saisie d'un nombre avec un champ de saisie spécifique. Celui-ci est obtenu en prenant number comme valeur pour l'attribut type. Il est également possible, grâce aux attributs min, max et step, de fixer respectivement une valeur minimum, une valeur maximum, ainsi qu'un pas pour passer d'une valeur à une autre. Voici un exemple d'utilisation du champ de saisie spécifique pour les nombres. Le champ de saisie créé a alors la particularité d'avoir deux flèches de défilement sur la droite du champ pour permettre à l'utilisateur de faire défiler les valeurs en fonction du pas donné. Si le pas n'est pas spécifié, celui-ci est alors de 1. Notez que l'utilisateur a aussi la possibilité de saisir directement au clavier la valeur qu'il souhaite sans passer par les flèches de défilement. Les dates et heures devront aussi respecter un format bien particulier. Il est également possible de demander un champ de saisie spécifique en vue de la saisie d'une date ou d'une heure. Le navigateur pourra alors proposer des composants adaptés à la saisie de ce type d'information. Par exemple, pour une date, un calendrier pourrait être proposé à l'utilisateur pour sélectionner la date souhaitée. Ces champs de saisie sont toujours obtenus via l'élément input. L'attribut type peut alors prendre la valeur date pour sélectionner une date complète, time pour saisir une heure, week pour choisir une semaine, month pour sélectionner un mois, ou encore datetime local pour saisir la date et l'heure. Voici par exemple la création d'un champ de saisie pour une heure. On peut voir que le champ de saisie propose un formatage par défaut dans le champ de saisie pour aider l'utilisateur à saisir l'heure. Il y a également les flèches de défilement pour faire avancer ou reculer l'heure souhaitée. De même, voici un exemple pour la création d'un champ de saisie spécifique pour la saisie d'une date. En plus du formatage et des flèches de défilement, ce composant propose également un calendrier pour sélectionner directement la date souhaitée. Un autre élément d'un formulaire consiste à pouvoir sélectionner des fichiers à envoyer via le formulaire. L'élément input, avec la valeur file pour l'attribut type, permet de créer un champ pour la sélection de fichiers. Celui-ci est généralement constitué d'un champ de saisie et d'un bouton. En cliquant sur le bouton, l'utilisateur a ensuite la possibilité de choisir le ou les fichiers à sélectionner dans un navigateur. Une fois le ou les fichiers sélectionnés, le nom de ce dernier apparaît dans le champ de saisie associé. Les fichiers sélectionnés seront alors transférés vers le serveur au moment de l'envoi du formulaire. Deux attributs sont spécifiques dans le cas de la création d'un composant de sélection de fichiers. D'une part, l'attribut accept qui permet de définir les formats de fichiers autorisés lors de la sélection. D'autre part, l'attribut multiple qui détermine si l'utilisateur peut sélectionner plusieurs fichiers en même temps ou pas. Voici un exemple d'utilisation de l'élément input pour sélectionner des fichiers. Ici, on détermine que l'utilisateur pourra sélectionner des fichiers JPEG ou PNG et qu'il pourra effectuer une sélection multiple de fichiers. Le résultat obtenu dans le formulaire sera alors le suivant. Dans le cas où vous souhaiteriez faire un champ de saisie multiligne, ce ne sera pas l'élément input, mais l'élément textarea qu'il vous faudra utiliser. A l'inverse de l'élément input, l'élément textarea a une balise ouvrante et une balise fermante. Il peut avoir comme contenu une chaîne de caractères qui sera alors la valeur par défaut du champ de saisie. La taille du bloc utilisé pour le champ de saisie peut être définie, soit via les attributs row et col qui déterminent respectivement le nombre de lignes du bloc et le nombre de caractères que peut afficher une ligne. Cependant, une autre manière de spécifier la taille de ce bloc est de déterminer leur longueur et hauteur au moyen des attributs width et height dans la feuille de style CSS. Dans ce cas, la longueur et la hauteur pourront être données dans la même unité de mesure que les autres éléments de la page HTML.
Voici un exemple d'utilisation de l'élément TextArea définissant un champ de saisie sur 5 lignes pouvant afficher 20 caractères par ligne. Le résultat dans le formulaire sera le suivant. Enfin, pour pouvoir envoyer les données une fois le formulaire rempli, il est nécessaire d'avoir au moins un bouton d'envoi. L'élément Input permet de créer ce type de bouton. En donnant la valeur Submit à l'attribut Type, vous aurez alors un bouton qui sera dédié à l'envoi du formulaire. Lorsque l'utilisateur cliquera sur ce bouton, les données des différents champs seront recueillies puis envoyées vers le script annoncé dans l'élément Form au début du formulaire. Notez qu'avec l'attribut Value, vous avez la possibilité de changer le libellé du bouton. De la même manière que le bouton d'envoi, il est possible de créer un bouton de remise à zéro. Pour cela, l'attribut Type doit prendre la valeur Reset. Dans ce cas, un clic sur ce bouton réinitialisera les différents champs du formulaire. Enfin, il est également possible de créer des boutons qui ne sont dédiés ni à l'envoi ni à la remise à zéro du formulaire. Ces boutons sont créés au moyen de la valeur Button passée à l'attribut Type de l'élément Input. Attention, dans ce cas, il faudra également gérer l'action à réaliser en cas d'appui sur le bouton. Cette gestion de l'événement se fait généralement au moyen du langage JavaScript. Vous pouvez regarder notre vidéo HTML JavaScript, gestion des événements utilisateurs, qui est dédiée à cette problématique. Pour résumer, voici un exemple de formulaire HTML et le résultat obtenu sur la page HTML. Celui-ci comprend trois champs de saisie différents. Le premier, pour l'identifiant, est un champ de saisie traditionnel pour permettre à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères quelconque. Le second champ est un champ spécifique pour saisir une date. Le troisième permet à l'utilisateur de sélectionner sur son disque dur un fichier de type PNG ou JPEG. Enfin, le formulaire termine par la création de deux boutons, un pour la réinitialisation du formulaire et le second pour l'envoi des données du formulaire. Le tout est englobé dans un élément form pour constituer le formulaire. Notez que les données seront envoyées au moyen de la méthode POST vers le script nommé ajoutUtilisateur.php.